L'objectif principal de ce séminaire de formation est de créer un espace de partage, d'expériences et de réflexions sur la manière d'améliorer la gestion scolaire. Les directeurs des cégeps publics et privés de Brazzaville 1. Cette gestion va permettre de maximiser les résultats académiques. Ces participants ont également exploré d'autres stratégies. Harmoniser nos pratiques quotidiennes dans l'administration. Ça part d'un constat, les différents rapports que nous recevons des établissements scolaires, dans leur présentation, on n'arrive pas à avoir toutes les données que nous avons besoin, parce que la présentation n'est pas identique. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec les innovations qui nous parlent en termes de la gestion axée sur les résultats de la gare, c'était une opportunité pour que nous les mettons ensemble, nous puissions les former pour que tous aient la possibilité d'élaborer des plans d'action et cela nous faciliterait de faire la synthèse et d'avoir les éléments appropriés et bien faits. Une initiative louable à en croire ses participants. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une école de formation du directeur au Congo-Brazzaville. C'est dans ce genre de séminaire que nous renforçons nos capacités, que ce soit ceux du privé, que ce soit nous au public. Nous avons cette obligation-là de toujours prendre part à ce genre d'activité que les autorités scolaires nous proposent. Il nous manquait beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'il faut... Le directeur est le tenant de l'école, le leader du collège. Pour qu'il y ait de bons résultats, je dois voir comment est-ce que ces enseignants, leur rendement des leçons prévues en classe. Est-ce qu'il y a concordance entre ce qu'ils enseignent et ce qui a été prévu? Ces renforcements de capacité est perçu comme une étape importante dans la promotion de la qualité éducative.